C'est quoi le plan? Dagan risque pas de nous donner le compas. Il est arrogant. C'est sa faiblesse. Ouais, on le fout en rogne, il attaque l'un de nous, et l'autre lui tombe dessus. C'est ça. C'est risqué, mais c'est tout ce qu'on a. Si jamais ça tourne mal, ça a été un plaisir, Cal. Pareil pour moi, mon frère. Quelques années trop tard. Si seulement Centauri m'avait soutenu, nous aurions pu convaincre le Conseil que Tanalor valait le sacrifice. Elle n'est plus là. Revis n'est plus là. L'Ordre n'est plus là. Et moi, je suis libre. Tu n'es pas libre, Dagan. Tu es seul. Que fais-tu là, alors que ton véritable ennemi est dehors? Comment as-tu pu laisser la galaxie tomber entre les mains de cet empire misérable? Tu te considères comme un survivant, mais tu es un échec. Nous ne sommes pas vaincus. Pas encore. Tiens, qui se laisse aveugler par son passé? Au cœur de l'abysse, l'Empire ne peut pas nous atteindre. Je ferai de ces pillards une armée d'élite, dirigée par des disciples formés à la force dans mon temple. Et quand l'heure sera venue, je frapperai et je purgerai cette galaxie par le feu. Merci, mais on a déjà un empereur. Remets-nous le compas. Pourquoi est-ce que je ferai ça? Parce que je suis un père à court d'options. Et t'es un obstacle sur le chemin d'une vie meilleure pour ma fille. Donne-moi ça, ou je t'abats sur place. Tu t'accroches à de piètres rêves. Arrête ! Alors, m'appelle. Tu es la honte des Jedi. Tu restes enchaîné au passé. Ce sera ta tombe. Je pourrais t'anéantir. Et la galaxie ne le remarquerait jamais. Cible localisée. Tu ne m'arrêteras pas. C'est lamentable. Imbécile.
Alors que tu es sur le point de mourir, que ta vie ne valait rien. Ne résiste pas. Tu ne peux pas te cacher. Ah oui. Je le sens. Le deuil, la souffrance, la honte, la colère. Ces émotions recèlent un pouvoir immense, mais tu étais trop faible. À présent, il est trop tard. Les navettes s'en vont. Je ne reviendrai pas. Tu es perdu. Tu t'es écarté de la voie. Et tu n'es... Et tu n'es pas un Jedi. S'il te plaît, dis-moi que c'est bien réel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une illusion causée par la Force, qui puise dans nos peurs. J'ai exploité les siennes. Il fait plus aussi peur maintenant. C'est bon, il est toujours entier. Aidez ! Donne-moi de bonnes nouvelles. Dagan avait peut-être raison. T'es sûr que t'es pas... Tu sais... Réfléchis-y. Tanalore est une forteresse. On devrait y abriter le passage. Rassembler des alliés. S'entraîner. Ils ne nous verront jamais venir. Je sais pas. Ça a l'air risqué. Le risque sera toujours présent tant qu'on n'arrêtera pas l'Empire. Et puis... Tu ne voudrais pas que Kata passe sa vie à se cacher ? Tant qu'elle est en sécurité, ça me va. C'est tout ce qui importe. Oui. Oui, je te rejoins là-dessus. Mais un jour, quelqu'un devra affronter l'Empire. Pourquoi pas nous ? Cordova doit pouvoir le bricoler. On repart sur Jedha. D'accord. Je vais juste jeter un coup d'œil dans le coin, histoire de voir s'il y a un manuel qui existe pour ce truc. On va bien trouver. Ouais. Hé, hey, BD. Tu m'as sauvé. Encore. Merci.
Passe devant, Cal. Je suis sûr que les autres ont hâte d'apprendre la nouvelle. On se retrouve à Mantis.